devant son banc. Allez, ça temporise. Passe à du Taïo, c'est bien fait là pour éliminer. L'appui de la planche, c'est magnifique. Il y a eu le coup de sifflet derrière. Passe à du Taïo qui fait écran. Abouo. Allez, il faut falloir déclencher la passe. C'est juste à temps. Le travail précis. Lang à 3 points dans l'axe. Et c'est réussi à 3 points. Nicolas Lang qui redonne un petit matelas. Deux premiers cartes en Cruzol qui va peut-être déclencher. Non, c'est lâché. Vene là-bas plus. Oh, le 3 points aussi réussi. Derrière par Limoges qui reprend 4 unités d'avance. 23. Vene qui va perdre ce ballon, se coucher sur le ballon. Ballon perdu par Vene. La contre-attaque à mener pour le SSM. Le drive splendide. Et on va bien voir cette situation jusqu'au bout avec Grismé Pommier au duel avec le corps et la faute signalée contre Olujobi au duel. Donc il cherche les passes, il cherche les possibilités. La défense de Limoges l'a bien compris. Et ouais, il s'est retrouvé un petit peu en difficulté. Il peut quand même lâcher ce ballon. Là par contre, il y a une superbe course de Mangin. De Sheldon Mack. Allez, on va d'un camp à l'autre. La possibilité avec Lang. Nicolas Lang à 3 points pour Limoges. Qu'égalise 32-32. Il fait beaucoup de bien Limoges. C'est un petit peu le facteur X de ses deux premiers quart-temps. Mangin aussi en est un. Il fait la passe décisive pour Femi Olujobi. La réponse immédiate des nordistes. La reprise du jeu, peut-être le shoot pris par Lang. Et Limoges à 3 points, c'est réussi. Et il fait se lever Beaublanc. Il fait surtout se lever Massimo Cancellieri qui a exulté. Joueur majeur pour le moment de Limoges dans ses deux premiers quart-temps. La nouvelle tentative de Demon Terpeur. Et c'est réussi au buzzer. Showtime à Beaublanc. Demon Terpeur. Passe vers Pommier. Qui se retourne. Et qui score à nouveau avec l'appui de la planche. Elle essaie de s'ouvrir les tirs. Les défenses sont très agressives. Hein. Elles montent très vite sur le porteur pour voilà, fermer les angles quand c'est possible. Mais le tir s'est ouvert pour le portel. Et le point rageur. Et une personnalité un peu plus du Nord. Vous l'aurez compris. Le Belge face à l'Italien. Et le Duc qui s'arrache. Point rageur. Passave Duteil. 45-42, seulement 3 points de retard pour le Portel dorénavant. Grâce notamment à celui qui est en défense, Passave Duteil. Stoïque qui ne bougeait pas, mais qui a quand même fait faute. Massinberg toujours. Vene à 3 points, c'est réussi pour Limoges. Panier à 3 points de Sim Sander. Qui était dans le 5 majeur. Cruzol qui fait le tour. Bien fermé par deux joueurs du Portel, mais les Portelois qui ne peuvent. Deux scores et deux points supplémentaires. Écran de Passave Duteil, ça permet d'avancer derrière Nguama. Le tir s'est ouvert là-bas. Longue distance. Qui temporise, voilà, qui demande le soutien. Des courses vers lui pour lâcher ce ballon. Et la faute avec le panier. Et Mangin qui se retourne bien face à Harper. Qui lâche ce ballon sous le cercle. Bien fait de la part de Olujobi. Massenberg, la passe vers Vene, magnifique mouvement offensif avec la combinaison des deux là qui se sont parfaitement trouvés. Et ça explique aussi en grande partie ce retard. Oh, la passe de Vene vers Massenberg, encore une fois les deux. Et là par contre, rebond défensif avec le Portel qui avance. Davis, et qui marque ce panier tout en obtenant la faute. Et ça bouge en attaque. La défense qui coulisse aussi agressive avec Passave Duteil. La passe sur la droite. Rapide hein, de Cruzol. La remise dans la course derrière. Et deux points supplémentaires pour Limoges. Ça pourrait faire encore plus mal à la tête des nordistes. Vene, Lang. Sous le cercle. Pommier. Deux points de plus. C'est le temps mort demandé. Oui. Avec Wojciechowski, Passave Duteil. C'est très bien fait, deux points de plus, 77-63. La deuxième cette semaine après celle contre la team LDLC Asvel. Et qui va donc avoir le même bilan que son adversaire du soir. Une victoire pour deux défaites. Prochain rendez-vous à Chalon-Reims le 15 octobre prochain. Oula, la colère de